Et oui, les amis, ce n'est pas un mythe. Et oui, j'ai quand même réussi un sixième match en 7, sans chuter avec Cloud en équipe. Encore une fois, 2 KO, dont mon quatrième match de suite sans chuter avec Cloud, sans subir de chute. Mais cette fois-ci, il aurait fallu... Il a fallu se rendre à mon subit pour réussir. Puis rien de compliqué. Ginger, ok, va. Va tout simplement faire un chemin contre son adversaire et moi j'aurais couru, j'aurais foncé sur mon adversaire. Les deux sont morts. Ils ont même pas le temps d'agir, ils sont déjà morts tout de suite. Après le go. Ginger. Ok. Oups. Ok. Mais quoi, je l'ai juste fait une fois. Bon, il reste 1 minute 10. 56% de dommages seulement. Bon, en 1 minute, ben, je subis seulement 75% de dommages. Ok. Bon, observons la suite maintenant. Oh, une mauvaise chute, c'est... Oh. T'as 105% maintenant. Toujours un KO. Où va promener mon deuxième KO? Oh, juste ici. J'ai couru en neutre. 118%. Oh non, oh non. Là, t'as vraiment gaffé, là. Ginger, oh boy. T'aurais dû faire un super saut, là. Ok. Bon, il faut trancher en mort subite. Regardez ça. Vous avez vu? Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont même pas eu le temps d'agir. Mon équipier qui s'image contre l'un de nos adversaires et moi, je fonce sur l'un de mes adversaires et les deux meurent. 1-2. Vendu. Ah, c'est vraiment le fun. Hein? 6 matchs en 7 sans subir de chute. Dont mon quatrième de suite sans chuter en équipe avec Cloud. Vais-je réussir l'exploit de 5 parties sans chuter de suite avec Cloud en équipe? Et je dis bien en équipe. L'avenir nous le dira bientôt.